Alors, je viens du parking un peu plus haut, au niveau de la passerelle du Drac. J'ai eu 2 cm en 220 mètres de la longueur. Le temps, ouais, je vais aller jusque la moitié. Ouais, de toute façon, je fais l'aller-retour. Ah ouais, c'est vachement grand en fait. Ah ouais, non, c'est stable en plus. Enfin, en tout cas pour le moment. Ah, ça tangue. Ah, je sens les vibrations de la personne qui est en face là-bas. Ah, lui aussi, je pense. Je vais m'arrêter ici au milieu. Ne pas tomber. Ah, ça queen. Il y a des. Hop, sacré cœur quand même. Je sais plus combien de personnes peuvent passer dessus. Oh, c'était pas marqué, je crois. Hop, hop, hop. On voit les câbles en bas. Voilà. C'est joli. Hein. 220 mètres. Il y en a qui mettent des cadenas. 1, 2, 3, 4. De l'autre côté, oh, que ça fait pas peur. Oh, que c'est bien sécurisé. Ouais, quand il doit y avoir plusieurs personnes, je ne sais pas si c'est 10 maximum, on peut être plus que 10 je pense, ou c'est 30, 50. Ça doit tanguer beaucoup. Hein. Ouais, forcément, plus on rapproche du bord, moins ça tangue. C'est cool. Je sais pas où je vais. Ouais, j'ai une trace GPX. On verra bien. Saut pendulaire interdit. Ouais, heureusement toi. Réservation obligatoire pour le retour en bateau.
la passerelle du Drac et direction la passerelle de l'Hébron. 4,9 km. Et ici, on est à une altitude de 500 mètres. Oh, belle petite descente. Parti pour la traversée de la passerelle de l'Hébron. Hop, là-bas, on peut manger. Passerelle de l'Hébron, 180 mètres. Ouais, sinon, identique à l'autre. On va bien voir ça. Ouais, c'est super joli. Je sais pas, celle-là, elle fait plus peur. Mais en fait, c'est la même, je sais pas pourquoi. Hop. Et de l'autre côté, ça donne quoi? Attends, parce que ça tangue aussi quand même un petit peu. Forêt, et ouais, puis on vient de tout là-haut. Ouais, c'est super joli. Hein. Ouais, il y a des gros filins, hein, hein, que ça. Ah, on sent que ça monte. On sent que ça monte. J'ai de la chance, je suis tout seul. Interdit par temps d'orage normalement, ouais, comme toutes les passerelles métalliques normalement. On arrive, ça se termine, ouais, il y a des tables pour manger. C'est parti pour la petite traversée du pont de Brion. Bah, là, il est métallique, mais que sur les côtés. Barrage de Monténard. L'Hébron est en dessous de nous. 265 kg, pas trop envie de tester. Ça souffle. Thank you.
Avec la passerelle, notre passerelle métallique, elle doit être de l'autre côté là, là-bas. Et de l'autre côté, on voit bien les bronzes. Je me suis déplacé. Ah, c'est vrai que c'est super joli ça, déjà. Bon, avec le soleil, ça doit être encore mieux. Hein. Alors, moi je suppose qu'il y a des épars de randonnée parce que je vois des voitures ici. Et là, on voit un peu mieux. On est au bout du pont, enfin pas du tunnel mais du pont.